Sevrat. Moulon vaga reamel et vot cité vastu meye kutse tulla tanna prinsuse rahus puja tahistama. Ma esindan estis prinsuse valitsus, ma tahan ölda et moulon vaga reamel terra omma igapaevas tööd estis. Aga ma pean jaktama prinsuse keeles rakimist. Sest kui minu eesti keele õpetaja on väga hea, ma ei räägi veel sujuvalt eesti keelt. La célébration de la fête nationale française a été fixée au 14 juillet depuis 1880. 91 ans après la prise de la Bastille, cette prison qui symbolisait l'oppression de la monarchie absolue. La République française est donc née il y a 229 ans. Si je le rappelle, c'est parce que ce sont ces idées et ces idéaux qui ont inspiré les peuples qui vivaient sous une domination étrangère et qui ont lutté pour leur indépendance. Les rédacteurs de la première constitution estonienne se sont inspirés de la France pour adopter le modèle d'une république. C'est pourquoi je voudrais dédier la réception d'aujourd'hui à la célébration du centenaire de la République estonienne. Je me sens particulièrement privilégiée d'avoir pu vivre cette année en Estonie et voir se multiplier les événements, les célébrations en Estonie, mais aussi à l'international et en particulier en France. Depuis le 9 avril dernier, à Paris, les Français et les nombreux touristes ont la possibilité de découvrir au musée d'Orsay les œuvres des remarquables artistes estoniens que sont Konrad Magy, Oskar Kallis, Kristjan Raud. Cette exposition a été rendue possible par la coopération entre le Kumu et le musée d'Orsay. Et que ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir à Paris se rassurent, elle vient aussi à Tallinn cet automne. Les médias français ont unanimement salué la beauté, la poésie, la force de ces œuvres. Mais surtout, cette exposition les a conduits à découvrir l'histoire et les héros mythologiques de l'Estonie. Il y a aujourd'hui beaucoup de monde à Paris qui sait qui est Kalevi Poeg. Ce poème a été traduit en français et de même que d'autres œuvres d'artistes, d'écrivains estoniens, il a attiré l'attention des visiteurs. L'an dernier, lorsque nous avons célébré la fête nationale ici à Tallinn, la présidence estonienne du Conseil de l'Union européenne venait juste de commencer. Aujourd'hui, 6 mois après la fin, je tenais à publiquement saluer tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire de cette première présidence une vraie réussite. Le gouvernement français a particulièrement apprécié l'engagement et le sérieux de votre présidence qui a permis d'avancer sur des dossiers que nous considérons comme prioritaires, notamment celui de la défense européenne. Trouver des solutions à 27 ou 28 n'est jamais facile. Mais la France comme l'Estonie savent que c'est nécessaire pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés et pour construire un meilleur avenir commun.